Oh, mais dis donc, excusez-moi. André Renier, bonsoir. Un garçon qui a des secrétaires, c'est moi qui le mets à place. Un garçon qui a des secrétaires, c'est moi qui le mets à place. Quelqu'un, on t'a poisonné, quand j'y allais. 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 Un garçon qui a des secrets perdus, c'est moi qui le mets à place. Des secrets perdus, c'est moi qui le mets à place. Des secrets perdus, c'est moi qui le mets à place. Des secrets perdus, c'est moi qui le mets à place. Les gens qui sont mécontents, les hommes, moi je suis contre Dieu. J'ai 97 ans sur la terre, et je suis là. J'ai 97 ans sur la terre, et je suis là. Les gens qui sont mécontents, les hommes, moi je suis contre Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir, bon c'était pour essayer de rappeler le vieux temps aux uns aux autres, voilà le grand maître de tous les temps, voilà, on l'a écouté, donc nous allons commencer la vidéo, je vous prie de vraiment m'accorder juste une petite minute, s'il vous plaît, et voilà, nous allons commencer ce direct, c'est très important, donc partagez-la, c'est très important. Partager la vidéo, c'est très important, partagez-la, c'est très important. Donc, chers parents, chers soeurs, chers amis, partagez le direct. Bon, c'est pas grave. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de trois grands bandits et trois grands voleurs. Voilà, ainsi que un vrai sorcier. Voilà, donc j'ai cité leurs noms sont bel et bien mentionnés sur le titre de ma vidéo. Pourquoi je dis ils sont les trois grands bandits et les trois grands voleurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire et le grand sorcier que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu et que la Côte d'Ivoire vient de découvrir.
pendant cette année 2000 dans laquelle nous sommes. Alors appelez-moi l'incontournable, bien compris. L'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Mondone, boum, boum, laisse-moi mourir 5 ans. Alors, vous pouvez aussi m'appeler plein droit. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu. Je prends le cas d'Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, le peuple est victime de Ouattara Draman. Pourquoi je le dis? Beaucoup, ils vont me haïr. Beaucoup vont me détester. Mais la vérité, elle fait mal aux yeux. Mais elle ne les casse jamais. Est-ce que vous comprenez? Le peuple ivoirien est victime de Draman Ouattara, le grand brigand et le grand voleur de tous les temps. Donc, on commence par Alassane Draman Ouattara. Est un brigand, est un voleur. Est-ce que vous comprenez? Un brigand, pourquoi? Parce que, avant de venir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, nous savons dans quelles conditions Ouattara est venu. Il est venu en brigand. Il n'a rien respecté, il a tout bafoué. Donc, c'était quoi? Un brigand. Est-ce que vous comprenez? Ouattara est un brigand. Il n'est pas venu au pouvoir dans des conditions normales. Ouattara, il fallait qu'il marche sur les corps du peuple ivoirien pour pouvoir parvenir au pouvoir, pour pouvoir rester, mettre ses fesses dans le fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire. Qui est victime? Le peuple ivoirien est bel et bien victime de la voyousie de Ouattara Alassane Draman. Mais beaucoup ne savent pas, puisqu'ils sont tombés amoureux, quand on leur dit qu'ils sont des victimes de Ouattara, non, eux pour eux c'est normal, tout ce que Ouattara fait, c'est tout à fait normal, c'est logique. Donc il faut suivre Ouattara dans ses délits. Toutes les décisions prises par Ouattara, si ce sont des décisions qui partent à l'encontre de la population, cette population, tellement elle est bernée, elle ne voit plus rien, elle est séduite par la voyousie de Ouattara. Voilà dans quel pays nous sommes. Et moi, mon militantisme dans lequel je suis en ce moment, c'est de permettre à la population ivoirienne, dans son ensemble, d'ouvrir les yeux. Parce que moi, je me bats pour restaurer la vérité. Je me bats pour que l'Ivoirien puisse voir clair. Je me bats pour que l'Ivoirien puisse s'en sortir sur son propre territoire. Je ne me bats pas pour voir l'Ivoirien aller souffrir. L'Ivoirienne aller souffrir quelque part. Être esclave sexuel. Être, je ne sais pas, esclave champêtre. Ou être esclave je ne sais quoi. Pour ramasser des maladies bizarres. Se voient tabasser par les Arabes, vont les tabasser dans leurs pays arabes, mourir dans des eaux, devenir des proies, des requins, dans les océans. Je ne veux plus ça. Raison pour laquelle je parle. Et donc, si ça vous frustre, si cela vous frustre, mais ne parlez plus des Ivoiriens qui meurent dans l'eau. Ne parlez plus des Ivoiriens qui s'en vont se vendre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les filles qui se vendent. Nous avons des informations qui nous disent que même les Ivoiriens garçons là, ils se vendent dans les pays arabes. Ils se font niquer par leurs propres amis garçons dans les pays arabes. Les femmes aussi, elles se font niquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des voyous en Côte d'Ivoire, il y a des voyous, des brigands, des voleurs qui pillent le pays, qui marchent sur les Ivoiriens, qui font que les Ivoiriens, ils ne se sentent plus en sécurité. Ils n'ont plus rien dans leur pays. Ils sont obligés de fuir. Et dans leur histoire de fuir, ils trouvent le malheur sur la route. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà pourquoi on parle de ça. D'autres, quand je parle de ça, ils sont allergiques. Non, Ouattara est un grand voyou. Pourquoi? Ouattara, aujourd'hui, vous ne pouvez plus compter son compte bancaire. Depuis qu'il a été premier ministre de la Côte d'Ivoire, il n'a fait que piller le pays. Lui et Madame Sfanta Gbe, sa femme blanche là, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, mais ils ont pillé le pays. Pendant que Koufou était là, Madame Fanta, Madame Alassane Ouattara, c'est elle que j'appelle Fanta Gbe. Est-ce que vous comprenez? C'est elle qui faisait le business du fouet. C'est elle qui achetait les biens du fouet à l'extérieur du pays. Elle a trop mal tapé le vieux. C'est elle a anarché le vieux. Elle a volé le vieux. Elle a pris des milliards. Auprès du vieux, le vieux, il ne voyait plus clair parce qu'il était vieux. Elle était déjà riche. Avant que Ouattara ne vienne au pouvoir, là, avant que Ouattara ne prenne le pouvoir, Madame Alassane Ouattara était déjà milliardaire. Parce que qui lui a donné les milliards?
Qui a donné les milliards, madame Alassane Ouattara? Mais ce sont les milliards ivoiriens. Beaucoup n'ont pas pris conscience que cette femme-là, c'est une grande voleuse de l'histoire de l'humanité. Elle a pillé la Côte d'Ivoire. Elle est devenue milliardaire à cause des biens de notre pays. Pendant ce temps, le peuple souffre. Il y a d'autres, ils n'ont même pas 10 francs pour payer l'eau glacée pour pouvoir boire. Pendant ce temps, madame Fanta Gbé, elle roule dans des milliards. Et c'est suite à ça, puisqu'elle est devenue riche, c'est maintenant elle qui va épauler M. Dramane Ouattara sur le plan international pour l'aider dans toutes ses missions et pour que ce dernier aussi vienne au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, maintenant, ce dernier, il n'a rien respecté. Loi, quoi que ce soit, comme il est un brigand, il a tout neutralisé, il a piétiné constitution, règles ivoiriennes, il s'en fout. Ouattara, il ne respecte rien. Il a piétiné sur tout, il a cogné tout. Tout ce qui lui intéressait, c'est le pouvoir. Il fallait tuer des milliers d'Ivoiriens, il a égorgé, il a violé les gens. Mais même si ce n'est pas lui-même qui a enlevé sa culotte pour violer les femmes ivoiriennes, si ce n'est pas lui qui a enlevé la culotte pour violer les garçons, les petits garçons ivoiriens, mais nous savons que ceux qui se battaient pour lui, ce sont eux qui ont commis les actes. Donc, automatiquement, les actes sont attribués à Ouattara. Parce que toutes les actions qu'ils ont faites, qui a profité des actions de Ouattara? Mais c'est bel et bien Ouattara lui-même, la personne de Ouattara, qui a profité de la voyousie de ces rebelles, soi-disant rebelles, ce sont eux qui ont profité de ça. Donc, ils se sont battus pour Ouattara. Alors, les crimes, les viols qu'ils ont commis, Ouattara en est le coupable. Voilà pourquoi je dis que c'est un brigand. Et donc, sur ce plan, il est brigand. Sur quel plan Ouattara est un voleur? Ouattara est un voleur parce que il a placé enfants, femmes, petits enfants, il les a mis dans le gouvernement. Son propre fils, là, c'est lui qui gère bien. Il gère tout. Toute la Côte d'Ivoire, c'est lui qui sait où l'argent rentre, où l'argent ne rentre pas. Son fils est devenu un milliardaire incontesté. On ne peut même pas compter ces milliards qui sont dans son compte bancaire, combien dans ses comptes bancaires. Non seulement il est président, il pille sa femme aussi. Elle construit des hôpitaux privés, des sociétés privées. Tout ça au nom de quoi? Non, au nom de la richesse ivoirienne. Et puis elle prend l'argent des Ivoiriens, elle construit des hôpitaux et elle fait sa chair pour dire allez-y, vous pouvez faire soigner. C'est l'hôpital de Fanta. Fanta Gbé. Quelles sont ses manières? Je n'ai pas encore ouvert le truc. Excusez-moi. Donc, elle prend l'argent des Ivoiriens, elle prend l'argent de l'État ivoirien, elle construit des hôpitaux privés, elle construit des sociétés privées, et elle demande aux gens d'aller se faire soigner là-bas, mais en payant 5 fois que le prix que ces gens-là devraient payer. Et donc, les pauvres n'ont pas le droit d'aller là-bas. Et elle se fait encore du pactole sur le dos des Ivoiriens. Vous trouvez cela normal? Hôpital de Benjeville. Fanta Gbé a pris sa session d'hôpital et tout l'argent qui vient là, ça rentre dans son compte bancaire et ça ne reste pas en Côte d'Ivoire. Elle envoie ça directement chez ses parents, hein, en Occident ici. C'est ici qu'elle garde son argent. Et tout ça là, la Côte d'Ivoire paie. Vous trouvez cela normal? Mais quand vous allez partir là, on va prendre ça, on va nationaliser ça, on va nationaliser les sociétés de Fanta Gbé. Tout sera nationalisé. Aucune société privée n'appartiendra plus à Ouattara et à sa femme. Aucune société, je dis aucune société, tout sera nationalisé. Parce que vous ne pouvez pas dépouiller les Ivoiriens de leurs biens. Vous ne pouvez pas continuer à piller. Non seulement vous prenez des milliards pour aller garder ça ailleurs, en dehors de ces milliards, vous pillez encore des milliards pour construire des sociétés privées et vous mettez ça à vos noms. Et l'argent, le bénéfice que vous gagnez, au lieu de mettre ça à la disposition du peuple, non, vous ne mettez pas ça à la disposition du peuple. Vous prenez cet argent pour envoyer ça encore dans les paradis fiscaux. Et le peuple souffre. Le peuple subit. Nous ne sommes pas dans une autre planète. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Les terres, pour ne pas dire la terre ivoirienne, est bel et bien riche. Tous ceux qui vivent sur cette terre ivoirienne doivent profiter de la richesse que produisent cette terre. Voilà. Excusez-moi.
Excusez-moi, voilà, c'est ma famille, donc on ne pouvait pas poser devant vous. C'est très important, il faut décaler. Si Malik, mais mon frère, tu sais, toi-même là, tu es en direct, tu me regardes et puis tu dis ils ont le temps. Tu te joues les idiots, voilà. Parce que toi-même, tu es connecté, tu es en train de me regarder, tu commentes et tu demandes aux autres, est-ce qu'ils ont mon temps? Voilà. Quand on dit l'intelligence a voyagé chez certaines personnes, voilà, la preuve en est que toi, tu es l'exemple palpable. Donc, tout ce que je dis, Ouattara ne peut pas piller le pays. Avec ses amis, ses proches, Ahmed Bakayoko, lui seul, il est le ministre d'État, ministre de la Défense. Il est quoi encore? Il est député. Il veut maintenant devenir maire à Abobo. Tout ça, il est conseiller principal de Ouattara. Tous ces postes-là, lui seul, il a 5 postes. Vous trouvez cela normal? On est dans quel pays là? On est dans quel pays? Est-ce que pays là appartient à un seul individu? Une seule personne à 5 postes, il est le plus intelligent en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul, mais il accumule au moins 5 postes. Les 5 postes qu'il accumule, ça fait déjà 5 chômeurs. Je dis bien 5 chômeurs. Imaginez, les ministres, ils sont combien? Combien de postes chaque ministre a? S'ils sont 30 ministres, on suppose, chacun a 5 postes. 5 multiplié par 3, ça fait combien? Ça fait 15, ça fait 150 personnes qui mettent au chômage. Vous comprenez? Non seulement les ministres, ils créent un chômage de 150 personnes. Parce qu'ils accumulent les postes. Or, là où ils travaillaient, d'autres personnes pouvaient aller travailler là-bas. Mais non, comme ils sont égoïstes, ils sont des grands voleurs, des grands trucs vadrouillards, alors ils accumulent les postes. Donc les 30 ministres créent au moins 150 chômeurs en Côte d'Ivoire. Maintenant, en dehors de leur propre chômage qu'ils créent envers la jeunesse ivoirienne, ils font quoi encore? Ils recrutent leurs frères et leurs frères aussi, leurs enfants, leurs amis, eux aussi, chacun au moins occupe 2 postes. Donc, si on veut calculer tout ça, vous comprenez déjà, dans cette histoire de ministériel et tout ça, ils créent au moins environ 200 chômeurs ou bien 300 chômeurs en Côte d'Ivoire. Maintenant, le président en question, il va nommer lui seul son enfant. Son enfant va gérer ça. Son enfant, lui seul, au moins, il a 6 postes. Il crée 6 chômeurs, Ouattara. Maintenant, en dehors de ça, il va faire quoi? Maintenant, il va sélectionner ceux qui doivent travailler, ceux qui ne doivent pas travailler, et il choisit une ethnie en Côte d'Ivoire. Et donc, il donne la priorité à une ethnie de travailler. Mais ce n'est pas l'ensemble de cette ethnie encore. L'ethnie qui donne le boulot là, il faudra que les gens qui viennent travailler là, ils soient connus par son entourage. Si ce n'est pas son neveu, sa nièce, son cousin, son petit-enfant, de là-bas, arrière-grand-père, et c'est comme ça qu'ils font. Et le monde pleure. La jeunesse ivoirienne pleure. À cause de quoi? À cause de Ouattara. À cause de quoi? À cause de Ouattara. Ceux qui sont aussi élus dans les mairies, ils prennent leurs parents pour les mettre là-bas comme conseillers. Comme quoi, c'est toi qui vas faire ça. C'est leur connaissance, leur truc. Ils emploient les gens par connaissance. Ils n'emploient pas les gens par connaissance. Truc, par intelligence. Mais ils emploient les gens par connaissance et par famille. Soit je te connais, je t'emploie. Tu es un membre de ma famille, je t'emploie. Mais je ne t'emploie pas parce que tu es intelligent. Non. Et c'est comme ça qu'ils font là-bas. Ils créent des milliers de chômeurs. Maintenant, les sociétés privées que ces gens-là créent, au lieu de donner la priorité aux Ivoiriens pour pouvoir travailler dans ces sociétés, non. Ces gens-là, ils vont aller chercher les Marocains, les Libanais, ils vont aller chercher des petits blancs en Europe pour dire venez travailler parce que l'Ivoirien, il est quoi? L'Ivoirien est taré, il ne peut pas travailler dans ce domaine. Et ils sous-estiment le peuple ivoirien. Voilà le gouvernement que nous avons. Et donc, nous souffrons pendant combien d'années? Pendant combien de temps ça va durer? Et tous les Ivoiriens, ils sont obligés de fuir le pays pour aller se chercher, aller se livrer aux requins. Les requins aussi qui sont reposés, qui sont posés tranquillement dans la Méditerranée. Or, nous, Ivoiriens, on vit, voilà, mangez-nous.
Pourquoi? Parce que Ouattara, il fait une politique de délinquance. Ouattara fait une politique de voyousie. Ouattara, il est devenu un brigand au sommet de notre État. Donc les Ivoiriens, ils s'en vont se donner au requin. Les Européens aussi, ils vont nous voir, ils vont nous taper sec. Aucun respect, ils vont maltraiter les Noirs, ils vont mal parler aux Noirs. Tout ça à cause de Ouattara. Et ce Ouattara encore, il signe des accords pour dire qu'ils n'ont qu'à rapatrier les Africains qui viennent d'arriver sur les bateaux, ils n'ont qu'à les refouler en Afrique. Pour ceux qui ne savent pas, je vous révèle cela. Il dit qu'ils n'ont qu'à refouler les Noirs qui viennent, les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens et les Ivoiriennes, qui viennent de traverser l'eau là, ils n'ont qu'à leur refuser les documents et ils n'ont qu'à les refouler en Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui fait souffrir la jeunesse ivoirienne et qui ne donne pas d'emploi à cette jeunesse, qui fout cette jeunesse en tôle, pour ne pas dire en prison. Et cette jeunesse fuit cette misère, cette torture. Pour venir en Europe, Ouattara encore, il signe des décrets pour dire qu'ils n'ont qu'à les refouler en Côte d'Ivoire. De la manière il a signé le décret avec ses mains blancs pour dire qu'il ne faut plus. Ils vont permettre à un Ivoirien ou une Ivoirienne de transférer les voitures âgées de 5 ans en Côte d'Ivoire. C'est la même chose, il a signé des décrets pour dire qu'il ne faut plus. Ils vont donner des documents aux Ivoiriens nouveaux qui viennent ici en Europe où ils n'ont qu'à les refouler. Voilà le Ouattara que vous avez. Donc, il ne s'agit pas de dire « je l'aime, tu l'aimes là ». Ces décrets vont toucher des membres de ta famille. Il faut monter, descendre. Ça, quand ça va prendre quelqu'un de ta famille, c'est là que tes yeux vont devenir rouges. Tu vas dire « ah, Ouattara, amani, de, mogoni, amani, ata, da, kasia, trop ». Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà votre Ouattara que vous fanfaronnez, que... vous priez, Ouattara n'est pas le prophète Mohamed. Pour que vous puissiez vous accrocher pour dire c'est Dieu qui l'a envoyé. Ouattara n'a pas été envoyé par Dieu, ce n'est pas Mohamed. Ouattara n'est pas là pour prêcher la parole de Dieu, de Allah. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes devenus des moutons? Vous suivez Dieu. On suit un prophète. On suit un prophète que Dieu a envoyé pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Mais vous suivez Ouattara comme des petits voyous, des délinquants, en sachant bel et bien que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Ouattara. Ouattara même, il est l'incarnation du démon. Donc tu ne peux pas voyager entre deux pirogues, une pirogue pour le démon et une pirogue pour Dieu. Pour qui tu te prends? Mais tu iras en enfer direct parce que avec Dieu, on ne fait pas à peu près. Ouattara n'est pas le prophète Mohamed. Tu le suis pourquoi? Ouattara est-il devenu Jésus? Qui t'a dit que Ouattara est Jésus? Qui t'a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle? Tu suis Ouattara? Ouattara t'a donné quoi? Il t'a donné l'opium? Tu as signifié un truc comme la cocaïne? Ou bien c'est l'héroïne qui marche dans ta tête? Tu as fumé la bœuf? Mon frère, réveille-toi! Ma soeur, réveille-toi! Les décrets que Ouattara prend, tout ce que Ouattara signe dans les coulisses, toi tu ignores, mais ça va frapper des membres de ta famille. Quand ça va les toucher, c'est là que tes yeux vont devenir gros et tu vas commencer à comprendre. Ah, j'ai soutenu le monsieur là, mais maintenant il va trop loin. À Dakassia, trop tard. Si je savais, n'a pas de queue. Ouattara ne peut pas continuer à piller la Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut pas continuer à voler les Ivoiriens. Ouattara ne peut pas continuer à mettre les Ivoiriens et les Ivoiriennes au chômage. Ouattara ne peut pas continuer à pousser les Ivoiriens et les Ivoiriennes à l'immigration. Ouattara ne peut pas traquer les Ivoiriens dans leur propre pays. Ouattara ne peut pas priver l'expression, pour ne pas dire la liberté de la presse aux Ivoiriens et les Ivoiriennes. On est dans quel pays? Pourquoi vénérez-vous Ouattara? Ouattara est devenu un dieu. S'il est devenu dieu, et que Dieu a changé de nom, maintenant où Dieu est incarné au sein de Ouattara, dites-le-nous. Dites-nous que ah, le véritable Dieu que vous cherchez là, c'est Ouattara qui est Dieu. Le monde entier va aller s'incliner devant Ouattara. Mais s'il n'y aura pas de preuves que vous détenez pour dire Ouattara est le nouveau Dieu de la planète, alors refusez de suivre Ouattara, parce que quiconque suit Ouattara, il suit un démon. Quiconque suit Ouattara pactise avec le démon. Dieu a-t-il le sang sur les mains? Dieu maltraite-t-il son peuple? Dieu
il prend le pouvoir par la violence, par le sang, je vous demande, si oui, dites-moi où Dieu a pris le pouvoir pour que Dieu soit Dieu. Montrez-moi un passage coranique ou un passage biblique qui dit que oui, pour qu'on puisse reconnaître Dieu, pour que Dieu il puisse avoir le nom Dieu, il a failli livrer une bataille avec ses ennemis là où il est placé. Pour qu'on puisse le reconnaître, est-ce que Dieu a-t-il mené une bataille pour éliminer tous ses amis? Pour qu'on puisse dire, ah, voilà, il a gagné la victoire sur tous ses ennemis. Donc, il est le Dieu, il est le véritable Dieu, il les a égorgés tous. Montrez-moi le verset qui le dit. Maintenant, il n'y a aucun verset qui le dit. Pendant ce temps, c'est ce que Ouattara a fait. Il a piétiné des gens, il a marché sur des corps, il a emprisonné des gens, ils sont encore en prison. D'autres sont portés disparus, d'autres ont été sodomisés, violés, les filles ont été violées, d'autres ont eu le sida. Ah oui, d'autres, Ouattara les a poussés tellement, les filles sont traumatisées, aujourd'hui elles sont devenues des prostituées, sans médicaments, la prostitution chronique, il n'y a plus de médicaments pour ces filles, et ça fait mal, on ne peut pas se moquer de ces filles, mais on n'a que une seule personne, Ouattara, le démon, a poussé nos soeurs à devenir des prostituées, voilà ce que Ouattara est. Voilà pourquoi je dis les trois grands voleurs et les trois grands bandits. Mais je vais arriver sur les autres. Je viendrai sur les autres. Mais on est sur Ouattara. Pour le moment, nous sommes sur Ouattara et on va en découdre. Tous ceux qui ont bu l'eau de Ouattara, je ne sais pas, ils ont bu le couillon de Ouattara pour être des pro-Ouattara à fond et eux-mêmes, ils ne détiennent plus leur propre cerveau. Quand tu leur parles, imbécile, tais-toi, tu as fumé quoi? Tu es drogué, mais ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas ouvrir leur cerveau. Voilà le problème. Parce que quand quelqu'un est poussé par le démon, il ne comprend plus. Il part, et mais où il part, ils ne savent pas, mais vous partez en enfer. Parce que Ouattara, il n'est pas votre prophète. Jésus, il n'est pas votre prophète Mohamed, à qui Dieu a donné la bonne nouvelle pour venir vous prêcher la bonne nouvelle. A-t-il oublié ton prophète? A-t-il oublié ton Dieu pour faire ou de Ouattara un Dieu sur la terre? Mon frère, tu es un bandit. Si tu cherches Dieu là, c'est ton père et ta mère qui sont tes dieux sur la terre. Parce que ce sont eux qui t'ont donné la vie. Ouattara ne t'a pas donné de vie. Au contraire, Ouattara te ôte la vie. Ouattara te pousse à mourir. Ouattara te pousse à commettre des péchés. Ouattara te pousse à prendre des mauvaises décisions. Ouattara te pousse à insulter tes prochains. En insultant tes prochains, c'est ce que ton Dieu t'a enseigné. C'est ce que Jésus t'a dit, il faut insulter ton prochain. C'est ce que Mohamed t'a dit, d'insulter ton prochain. Et pourquoi tu insultes ton prochain? Parce que Ouattara a pris ton cerveau. Ouattara, elle te possède. Et donc, le démon de Ouattara est incarné en toi. Voilà pourquoi tu passes ton temps à dire Ouattara ou rien, imbécile, drogué, tais-toi. Pourquoi tu dis ça? Parce que le démon de Ouattara t'anime. Voilà. Donc, c'est l'esprit de Ouattara qui parle en toi, ce n'est pas toi-même. Mon frère, répands-toi. Répands-toi parce que si tu ne te répands pas et que tu meurs, et que c'est la route de Dieu que tu cherches, mon frère, c'est la route de l'enfer qui va t'accueillir avant même de trouver le carrefour du paradis. Est-ce que vous comprenez? Quittez derrière Ouattara. Ouattara n'est pas la solution. Ouattara vous a vendu une idéologie appelée la solution. Ne donne pas ta voix aux déchets toxiques. Ne donne pas ta voix à la pauvreté. Ne donne pas ta voix à la misère. Ne donne pas ta voix à la dictature. Donne ta voix à Ouattara. Donne ta voix à celui qui va te permettre de porter boubou. Donne ta voix à celui qui va te permettre de voir 5 universités en 5 ans dans ton pays. Donne ta voix au travail. Donne ta voix à la prospérité. Donne ta voix à l'émergence à l'horizon 2020. Mes frères, vous avez donné votre voix. Mais en dehors de ces voix-là, vous êtes battus. Vous êtes morts. Ouattara a piétiné corps des gens pour aller prendre le pouvoir. Les promesses sont devenues des mensonges. Où sont les 5 universités? L'accouchement gratuit. Où est passé l'accouchement gratuit? Donne ta voix à la liberté. Où est passée la liberté? Es-tu libre? Non, tu n'es pas libre. Mais, vous savez, la liberté est devenue la dictature, pour ne pas dire la tyrannie. La liberté d'expression est devenue
la dictature, l'oppression de l'expression. Voilà ce que vous êtes devenu. Le développement à l'horizon 2020 est devenu le recul à l'horizon 2020. Le retard à l'horizon 2020 est devenu le désordre à l'horizon 2020, est devenu l'insécurité à l'horizon 2020. Voilà ce que Ouattara nous amène. Il nous amène un dépotoir notoire de l'insécurité totale dans notre pays. Et il veut qu'on le suive dans cette bêtise. Et vous qui le suivez, repentez-vous. Repentez-vous. Il faut bien lire le Coran, mon frère. Ma soeur, prends le Coran, il faut lire là-dedans. Et dis-moi le passage qui dit que Dieu dit, il faut suivre Ouattara qui passe son temps à faire souffrir son peuple. Dieu apporte le bonheur à son peuple. Dieu, il n'apporte pas la misère. Il ne met pas sa haine sur le peuple. Il ne fait pas souffrir son peuple. Dieu n'égorge pas son peuple. Dieu apporte le bien-être à son peuple. Mais Ouattara, là, il est-il sur le chemin de Dieu? Ouattara est sur un autre chemin. Il tue son peuple. Il apporte la misère à son peuple. Il fait fuir son peuple. Alors, elle te dit, je suis pour Ouattara, mais tu es pour le Dieu. D'accord, le démon, et tu pries matin, il dit ça. Allah, il est doigt, dit Allah, il est. Allah ne va pas te donner le doigt, il va te donner la misère. C'est l'enfer même, en priant toujours. Allah, il est doigt, dit il trace même le chemin de ton enfer. C'est ça, il est là, tracé pour toi, c'est propre. Le jour où tu rends l'âme, mon frère, le démon va t'accueillir pour aller en enfer. C'est clair, il n'y a pas de négociation. Si tu ne veux pas aller là-bas, il faut te repentir. Rien n'est tard. Lorsque tu vis, rien n'est à, tu peux encore changer d'avis. Tu peux encore changer d'avis. Tu peux te ressaisir. Tu peux te repentir. Tu peux demander pardon à ton Dieu. Mais si tu continues, mon frère ou ma soeur, à cause d'un être humain, il n'aimait pas Dieu. J'ai dit à cause d'un être humain, celui-même que Dieu n'a pas envoyé, à cause de lui, tu vas signer ton enfer. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Donc voici le cas de Ouattara. Donc ceux qui pensent que Ouattara, les 8 ans qu'il a fait, et les 8 ans sont devenus un échec dramatique en Côte d'Ivoire. Les 8 ans sont devenus un regret profond pour la nation ivoirienne et pour la population ivoirienne. Et ces gens qui espèrent encore donner encore un troisième mandat, en espérant des miracles de la part de Ouattara, détrompez-vous. Le poussin qui doit devenir le coq, c'est dès le bas âge, au moment où il sort de la coquille du l'œuf, c'est là on sait que ce poussin-là va devenir un coq. Ce poussin va devenir une poule. Une danse qui doit chauffer. La personne qui danse la danse, c'est dès le début, on voit les pas. On dit, cette personne, c'est vraiment un bon danseur. Un joueur qui va apporter quelque chose sur le terrain, c'est dès son premier ballon qu'il touche, ses gestes qu'il fait, on sait tout de suite que c'est un professionnel. C'est un grand joueur. Mais quelqu'un qui a déjà fait 8 ans, il ne sait même pas comment faire. Il gère le pouvoir et c'est comme s'il est en conflit avec le peuple. Il maltraite le peuple. Il traque le peuple. Et vous espérez lui donner encore un mandat. Arrêtez pour vous là, ressaisissez-vous. Ça, le côté Ouattara est fini. Le côté Ouattara est fini. Venons sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, voici encore un grand voleur de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est un grand voleur, un pilleur. Il n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire. Et les gens ici, Gbagbo, rien. Je suis devenu comme si Gbagbo était Jésus. Montrez-moi le verset biblique, vous les chrétiens et les chrétiennes. Mais montrez-moi un verset biblique qui dit que Laurent Gbagbo incarne le Dieu sur terre. Et que Laurent Gbagbo est le Dieu. Laurent Gbagbo est un humain. Laurent Gbagbo n'est pas un Dieu. Laurent Gbagbo est un démon. Et vous suivez ce monsieur, mais vous partez en enfer direct. Vous signez votre pacte de mort. Laurent, Dieu t'a-t-il demandé d'aller te faire tuer, assassiner à cause d'un être humain? Dieu ne t'a jamais demandé cela. Dieu t'a
a-t-il demandé de te laisser manipuler par un être humain? Non. Dieu ne t'a jamais. On dit mon peuple périt par manque de connaissance. Vous suivez, vous êtes devenus des moutons par manque de quoi? Connaissance. Vous suivez bêtement. Quand tu attends le nom de Babou, on dirait que tu es en transe. Tu trembles, tu ne sais même plus où tu es. On te dit raisonne. Tu refuses tout raisonnement. Tu deviens mouton. Et dans ça, c'est nous, on va libérer le pays là. C'est nous, on va couper le cordon ombilical de la France-Afrique. Tu vas couper quoi? Toi-même, tu as un problème moral et tu donnes espoir à d'autres personnes qui eux aussi, qui elles aussi, n'ont pas de connaissances, qui te suivent mouton de façon moutonnière. Toi aussi, tu suis de façon bêtement. Et donc, vous êtes dans la bêtise, pour ne pas dire dans la bêteté. Il faut créer les mots souvent. C'est très important. Voilà dans quoi vous êtes. Donc, des groupes d'individus qui ne savent même pas dans quoi ils sont. Babou est un voleur. Il a pillé l'argent de la Côte d'Ivoire. Pendant que les Ivoiriens souffraient, pendant que d'autres souffraient, ils mouraient sous les armes, sous les balles. Ils étaient tués, étranglés, violés, égorgés, pris en otage. Laurent Gbagbo, non, il était à la rue en train de danser. Il était habillé en train de gaspiller les 5 millions sur les 7 cassis. Il était habillé en train de donner l'argent aux membres du Parlement Agora. Il créait des stations essence et stations service. D'autres construisaient des immeubles, d'autres faisaient des business. D'autres, ils couraient derrière les petites filles en train de chercher les filles dans les trucs. Ils arrachaient femmes des gens. Voilà des gens. Et ce sont ces gens-là, vous suivez, on va libérer le pays là. Des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Ils pensent qu'un combat, c'est pour aller chercher femme. C'est pour aller courir derrière les petites filles. C'est pour coucher avec les filles en désordre. C'est pour arracher femme des gens. Voilà des gens. Ils ont pillé l'argent. Des gens qui braquent la BCAO. Ils braquent la BCAO. On ne sait même pas où ils ont mis l'argent. Et les Ivoiriens souffrent. On dit non, tout l'argent qui était à la BCAO du Sénégal, la Côte d'Ivoire a repris son argent. Vous avez pris l'argent, ça y est où? L'argent est parti où? On dit non, Colin Katina a venu le système bancaire, les gens voulaient retirer, ils n'ont pas pu. L'argent est parti, c'est parti où? Jusqu'à présent, on ne voit pas l'argent. Des brigands, des braqueurs de BCAO, ils n'ont rien apporté. Nous, on a mis espoir en eux. Quand ils ont fait ça, on dit, ah, c'est bien qu'ils ont braqué parce que nous allons profiter de cet argent. Cet argent, au moins, va créer des emplois ici. Cet argent va apporter quelque chose. Non, ils prennent l'argent, ils mettent ça dans des cargaisons de trucs, des remords, ils prennent, ils sortent du pays. Et d'après les informations, on dit non, il a mené une partie en Guinée équatoriale, une partie en Afrique du Sud, une partie en Angola. Et l'argent de la Côte d'Ivoire s'est dispersé. Les Ivoiriens n'ont rien eu dedans. Les Ivoiriens n'ont rien eu dedans. Il fallait encore endetter la Côte d'Ivoire à nouveau, aller voir le FMI, prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire. Et ces membres-là, ils viennent, la Côte d'Ivoire s'est endettée. La Côte d'Ivoire, mais vous avez oublié ce que vous avez pillé au sein de la BCAO. Vous avez volé l'argent de la BCAO, mes frères. Donc voilà, vous êtes des grands voleurs. Gbagbo là, c'est un voleur. Il n'a rien apporté. Il n'a fait que braquer les banques de la Côte d'Ivoire. Il a braqué les banques de quoi? De la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui respectaient l'embargo français, qui ne voulaient pas travailler, il les a tous radiés. Et il avait mis certains élèves et certains cadres nationaux qui étaient fidèles à Gbagbo. Mais quand il devrait quitter le pouvoir, avant son arrestation, ceux-mêmes qui ont fui au début, ils ont pris l'argent, ils ont fui avec l'argent. Même les voitures présidentielles, ils ont pris tout pour aller au Ghana. Et ceux qui sont au Ghana, ils savent de quoi je parle. Les voitures présidentielles de la Côte d'Ivoire, ils ont amené ces voitures-là, ils ont amené elles toutes au Ghana. Allez-y là-bas. Tous ces hauts cadres du pays, ils ont acheté des maisons, des villas avec des piscines, pas possible. Quand il a dit, et il laisse les Ivoiriens qui sont dans les centres de réfugiés dans la faim. Ils ne sont même pas capables de leur donner quelque chose pour nourrir ces gens. Il les laisse dans la merde. Il les laisse dans la faim. Il n'y a que les ONG pour pouvoir leur venir en aide. Voilà des gens. Et ce sont ces gens-là, vous suivez. Ça me fait mal.
Awa Domelo va nous dire qu'il n'a pas l'argent. Kone Katina va nous dire qu'il n'a pas l'argent. Damana Picas va nous dire qu'il n'a pas l'argent. Et les autres qui sont là-bas, les enfants de Babo qui ont payé des grosses villas, des grosses caisses, même les voitures du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire sont garées devant les grosses maisons des enfants de Laurent Gbagbo. Ces enfants-là, est-ce qu'elles ont une fois pensé enlever, il ne serait-ce que 500 millions pour donner aux réfugiés qui sont là-bas, les Ivoiriens qui souffrent là-bas, leurs enfants ne partent plus à l'école. Ils souffrent, ils sont dans la misère, dans la merde. Les moustiques les poussent, ils meurent à chaque jour. Est-ce qu'ils enlèvent un petit franc pour leur venir en aide? Non, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ça pousse nos soeurs à devenir des prostituées au Ghana, à devenir des prostituées au Togo, à devenir des prostituées au Bénin. Et elles sont éparpillées partout. Ça pousse à nos frères de devenir des voleurs là-bas. On les incendie à longueur de journée. On les tabasse, on les tue. On manque. Les pays de la sous-région ne respectent plus les Ivoiriens. À cause de qui? À cause de Gbagbo et sa bande. Parce qu'ils sont assis sur l'argent et ils n'aident pas leurs propres amis d'hier qui ont mené la bataille avec eux. Et donc, ils sont tous des voyous. Ils sont des voyous. Voilà ce qu'ils sont. Nanti Baba, elle a acheté une grande maison ici à Bruxelles. Je dis bien, elle a acheté une grande maison ici à Bruxelles. Et c'est ici qu'elle quitte pour aller à Amsterdam. Parce que Bruxelles, Amsterdam, ici en Vest, Amsterdam, ça fait 30 minutes en voiture. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin, c'est côte à côte ici. Elle quitte à Bruxelles, elle part, voit son mari pour revenir. Elle dort à Bruxelles. Voilà. Donc, ils ont l'argent. C'est Van Kipré. Il a pillé l'argent sous quoi? Sous le gouvernement de Gbagbo. Parce que chez lui, il a pris l'argent de son pot. Mais il a oublié qu'il a pris l'argent de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, ils ont dispersé l'argent du pays. Chacun prenait tous les bons de Gbagbo ont pris l'argent. Les maîtresses de Gbagbo ont pris l'argent. Les bons pédés de Laurent Gbagbo ont pris l'argent. Les ministres de Laurent Gbagbo ont volé l'argent. Gbagbo lui-même, il a volé l'argent. Ses femmes ont volé l'argent. Et ils sont trempés dans le vol. Et on va dire, ils ne sont pas des bandits. On va dire, ils ne sont pas des bandits. Ce sont des vrais bandits, des voyous, des voleurs. Et ce peuple suit encore ces gens. Réveillez-vous. Vous êtes victimes de vos... C'est-à-dire, vos bourreaux, vous les suivez et vous pensez que vos bourreaux vont vous apporter le changement. Tu as déjà vu le Satan te bénir, t'apporter la bénédiction? Non. Satan ne peut jamais t'apporter la bénédiction. Tu suis ton bourreau et tu penses que c'est ton Dieu que tu suis. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Tu es sur quelle planète? Réveille-toi. Gbagbo ne sera jamais ton espoir. Ouattara ne sera jamais ton espoir parce qu'ils sont de même catégorie, de même famille. Et ces vieux-là, ce sont eux qui ont créé tout ce que nous connaissons en Côte d'Ivoire, tout ce désordre. Je dis bien tout ce désordre. Ce désordre n'allait jamais venir en Côte d'Ivoire si ces vieillards n'étaient pas mis en politique, si ces vieillards n'étaient pas dans le... truc dans ce qu'ils visaient dans leur tête. Laurent Gbagbo est venu au pouvoir de façon notoire. Il a utilisé aussi le banditisme pour venir au pouvoir. Tout comme Ouattara. Lui a gagné beaucoup pour affronter 300 morts, pour ne pas dire 400 morts. Pour que Laurent Gbagbo prenne le pouvoir, il n'est pas venu au pouvoir de façon démocratique. Parce que de la manière, lui et Ouattara ont contesté le pouvoir en 2010, c'est de la même manière Gbagbo et Guéhi avaient contesté aussi le pouvoir en 2000. L'autre dit il a gagné, l'autre dit il a gagné affrontement. Le plus fort a pris le pouvoir. Et qui a encore payé le prix? C'est le peuple qui a payé le prix. Ce peuple qui suit des bourreaux de façon ignorante, qui pense que son propre bourreau ou bien ses bourreaux vont lui apporter le changement. Vous vous trompez. Gbagbo et Guéhi, ils ont fait affrontement. Le plus fort a pris le pouvoir. Gbagbo était le plus fort sous le règne de Guéhi. Gbagbo, il était quoi? Il était opposant. Et c'est l'opposant qui a pris le pouvoir. Vous ne voyez pas le jeu? Gbagbo était quoi? Il était opposant. Guéhi était quoi? Il était le président.
Et l'opposant a pris le dessus sur le président. En 2010, Ouattara était quoi? Était opposant. Gbagbo était quoi? Et il était président. L'opposant a pris le dessus sur le président. Voilà le même schéma dans lequel nous sommes. Voilà dans quoi nous sommes. Et ils sont les malheurs du pays. Ils sont quoi? Ils sont les malheurs du pays. Et vous les suivez. Babourie, Gogo, ça veut dire quoi? Après avoir fini de citer le nom Gogo, ça t'a apporté quoi, mon frère? Ça t'a apporté quoi? Babo, il compte les billets pour t'envoyer ça après avoir fini de crier Gogo. Rien. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Si tu ne travailles pas, ta famille n'aura rien. Si tu ne travailles pas, ta femme ne pourra pas s'habiller. Alors, cesse de dire de n'importe quoi, Gogo. Go n'est pas ton avenir. Go ne peut rien changer dans ta vie. Il n'y a que toi. Toi et ta vision qui peuvent changer ton avenir. Ce n'est pas le fait de suivre Gbagbo. Ce n'est pas le fait de suivre Ouattara qui va changer ton avenir. Est-ce que tu comprends ce soir? La jeunesse doit se réunir. La jeunesse doit prendre le courage. Je dis bien, la jeunesse ivoirienne doit prendre le volant. Au lieu de confier ta vie à quelqu'un, toi-même prends tes responsabilités. Tu as déjà vu où quelqu'un décide de confier son indépendance à quelqu'un d'autre? Non. Tu dois toi-même conduire ton indépendance. Tu ne peux pas confier. Est-ce que ta propre vie que tu mets, tu vas dire, hey, mon frère, toi, il faut gérer ma vie. Le jour où tu n'es pas d'accord, il faut me tuer, je vais quitter sur la terre. Non. Non. Toi-même, tu guides ta vie. C'est entre toi et Dieu. Parce qu'il est, au-dessus de tout. C'est Dieu qui gère ta vie. Ce n'est pas un être humain qui va gérer ta vie. Tu ne peux jamais mettre ta vie dans les mains d'un être humain. C'est toi-même qui dois gérer ta vie. Arrête tes bêtises, Ouattara, Gbagbo. Ils ne sont rien pour toi. Ils ne vont rien t'apporter. Au contraire, ils t'ont apporté le malheur. Beaucoup d'Ivoiriens crient Gbagbo. Aujourd'hui, ils pleurent. Ils pleurent. Leurs familles sont dans la tourmente parce que Gbagbo n'a pas voulu faire la justice. Gbagbo a préféré protéger les rebelles que de protéger les Ivoiriens. Laurent Gbagbo a préféré traiter avec les rebelles que de traiter avec les Ivoiriens. Laurent Gbagbo a laissé les Ivoiriens seuls. Et des gens, ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient obligés de créer des mouvements d'autodéfense. Ils ont été massacrés. Où était passée l'armée de la Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo a pris cette armée pour dire, venez faire bloc autour de moi. Et a laissé les Ivoiriens seuls. Voilà ce que c'est que Laurent Gbagbo. Lui, il lutte pour sa vie. Il ne lutte pas pour votre vie. Il s'en fout. Au contraire, quand il aurait été, il dit ne me tuez pas. Pourquoi? Parce que sa vie lui coûte cher. Comme vous, vous êtes ignorant là, vous ne savez pas c'est quoi une vie, raison pour laquelle vous vous livrez à la mort. Et suivez toujours, vous allez mourir. Suivez, vous allez mourir. Mais moi, ma vision, je ne veux pas que vous mouriez. Voilà ce qui me préoccupe. Je ne veux pas la souffrance de votre côté et de mes côtés. De mon côté plutôt. Je ne veux pas la malédiction de vos côtés et de mon côté. Je veux la réussite. Je veux le bien-être du peuple ivoirien. Voilà pourquoi je fais tout ça. Beaucoup vont me traiter, beaucoup vont m'insulter. Je ne suis pas le seul. Quand Einstein parlait, on avait traité de tout l'homme. Mais le jour, beaucoup ont vu que c'était trop tard. Einstein était déjà vieux. C'est là qu'ils ont repris ses œuvres. Et il est devenu un monument. Toujours, quand Socrate parlait, on disait c'était un fou. On le traitait de tout nom. Mais le jour où il est mort, c'est là beaucoup avaient compris que celui-là, il était intelligent et il était en avance. Que nous, ils ont compris que c'était vraiment un philosophe. Il a créé la philosophie. Je ne parle pas de là où il allait prendre ça en Afrique, mais Socrate a développé la philosophie. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que c'est que les gens. Donc, quand on vous parle, vous pensez que les gens, ils sont fous et tout ça. Mais c'est avec le temps plus tard que vous comprenez. Autre tard, lui qui parle aujourd'hui, là, je veux que vous compreniez maintenant.
Bédier. Qu'est-ce que Bédier vous a apporté? Bédier, il vous a apporté quoi? Bédier n'est que un voyou. Bédier n'est que un grand voleur. Bédier, il a fait quoi? Mais quand il a laissé le pouvoir, mais il a pillé le pays. Avant que le coup d'État ne le frappe, Bédier a été le grand voleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Au contraire, quand il est venu, il a commencé à tout vendre. Il a vendu tout. Tout ce qui était hors du pays et dans le pays, Bédier a tout commercialisé. Pourquoi? Pour son propre bien-être. À l'âge de 30 ans, il était déjà milliardaire. Il fêtait ses premiers milliards. Vous pensez que quoi? Mais il a commencé à voler très tôt. Pour ne pas dire à l'âge de 27 ans, je ne sais pas. Il a commencé à voler très tôt. Depuis étant bébé, Bédier, il volait. Il pillait l'argent de la Côte d'Ivoire. Il a volé la Côte d'Ivoire étant bébé. Jusqu'à il est devenu vieux au sommet de l'État. Hein? Et c'est en 99 qu'il est parti. Il a pillé, il n'a fait que piller la Côte d'Ivoire. Et ce sont ces gens de personnes-là que vous confiez. C'est ceux-là que vous suivez. En pensant qu'ils vont changer, mais ils faisaient quoi hier? Au lieu de changer, au lieu d'aller dans le changement, lui, il a préféré vendre. Il a vendu. Il a fait quoi? Il a tout vendu. Et si aujourd'hui tu penses qu'il ne va plus vendre, Bédier ou Zueba, voilà des gens. Êtes-vous normaux ou êtes-vous anormaux? Dites-nous, parce qu'on ne suit pas un être humain, on suit quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Et non, quelqu'un qui a déjà démontré son incapacité de gérer certaines choses. Quand tu as déjà fait, tu as déjà pris un poste et qu'on a su que tu n'as pas été capable, tu n'as pas été à la hauteur de gérer certains trucs ou choses, certains problèmes, c'est que tu n'es plus un espoir pour tout un peuple. De tout un peuple plutôt. Tu n'es plus un espoir. Donc automatiquement, on doit te talonner. Si tu avais même des bonnes idées et qu'on a vu que sur le terrain, un joueur, il peut être hors du terrain, il peut dire ah, non, il faut jouer comme ça. Et quand il parle, tu penses que ce dernier là c'est un grand joueur, mais une fois que tu le mets sur le terrain, tu vois qu'il est incapable. Toutes les idées qu'il a en lui, il ne peut pas appliquer ça sur le terrain. Alors c'est un échec. Tu le fous hors du terrain et tu mets quelqu'un d'autre qui peut tenir. C'est pas parce que tu as des idées que tu es capable. Non, tu peux être brillant. La vision peut être brillante et tout, mais est-ce que tu as le courage? Est-ce que tu es capable de démontrer ce que tu penses? Et c'est ça le problème. Tu peux avoir des idées, tu dis, ah, il y a des idées, on te donne une feuille. On dit, il faut dessiner une forêt dans laquelle il y a des singes et tout. Mais les images viennent dans ta tête. Tu vois déjà, tu as la vision. Tu peux parler, démontrer. Mais quand on te donne la feuille, on dit il faut écrire, il faut démontrer, il faut appliquer ça sur la feuille, tu es incapable parce que tu ne sais pas dessiner. Mon frère, c'est pas parce que tu as des idées, tu vends des idées que tu peux appliquer tes idées. Donc, je vous interpelle, c'est pas parce que les politiciens vous vendent des idées qu'ils sont capables de les appliquer sur le terrain. Ils ont des bonnes idées, mais ils ne sont pas capables de les réaliser. Il faut plutôt fonctionner avec quelqu'un qui est capable de démontrer ce qu'il pense. Et c'est de là que je vous interpelle. Bédier n'est rien qu'un voleur. Il a pillé la Côte d'Ivoire. Étant bébé, il a pillé la Côte d'Ivoire parce qu'il pensait que c'était son père qui était là. Il a tout volé. Je dis bien, il a tout volé. Il est devenu vieux là-bas. Il a pillé tout. Jusqu'à il prend l'argent pour décorer ses toilettes. Hier, j'ai vu des commentaires qui disent non, il n'a jamais décoré de toilettes. Et Bédier, il décorait, c'est-à-dire il prenait les pièces de 250 francs pour faire les carreaux de sa toilette. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y vous renseigner. Est-ce que vous comprenez? Et donc c'est comme ça. C'est comme ça, donc ne pensez pas que ces vieillards-là, ils sont un espoir pour vous. Ils ne sont pas un espoir. Tu es ton propre espoir, mon frère. Tu es ton propre espoir. Ma soeur, tu es ton propre espoir. Ne mets pas ton espoir en un vieillard. Ne mets pas ton espoir en un leader politique. Car tout leader politique, je dis tout leader politique, sont des gros menteurs. Ils ont bel et bien des bonnes idées, mais ils ne peuvent pas transformer leurs idées
en acte. Sinon, les Africains n'allaient plus voter. Ils n'allaient plus voter. S'ils pensaient que leurs leaders étaient des menteurs et qu'ils étaient incompétents d'appliquer ce qu'ils pensent sur le terrain, ils n'allaient pas les voter. Mais c'est parce qu'ils ne pensent pas, les Africains ne prennent pas conscience. Tous les Africains qui sont des leaders, ils ont la bouche sucrée. Ils parlent bien pour avoir la popularité. Mais une fois au pouvoir, ils sont incapables de démontrer ce qu'ils avaient dit à cette jeunesse. Aux gens qui les ont fait confiance. Et vers la fin, qu'est-ce qu'on fait? On dit les impérialistes mettent pression sur eux. On dit non, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous connaissez les règles? C'est verrouillé. Quand il est venu au pouvoir, il a vu la réalité. Mais frère, c'est du mensonge. Ils ont fait ça pour venir au pouvoir. Ils n'avaient même pas l'intention de changer quoi que ce soit. Sinon, s'ils étaient déterminés qu'ils pouvaient faire quelque chose, ils pouvaient changer les choses. Mais non, dans leur tête, blaguer, tuer. Ils vous blaguent une fois là, tout ce qu'ils vous avaient promis à cette autre population, ils ne font plus ça. Kouma Bana, ils sont sur une autre planète. C'est vers la fin là qu'ils essaient de se débattre pour donner encore de l'espoir à cette jeunesse qui les avait votés. Pour berner encore à nouveau cette jeunesse. Une fois aux affaires, ils mentent encore. Ils font autre politique. Vers la fin de leur politique, s'ils savent qu'il y a un an, ils font croire à cette jeunesse que non, ils sont tellement mobilisés pour faire ce qu'ils avaient demandé à la jeunesse. Voilà dans quoi ils sont. Et vous devez comprendre, Bédier, Ouattara, Gbagbo, ils ont été tous pareils. Mettez fin à leur pays. Je dis bien, mettez fin à leur délit. Soyez vous-même. Devenez vous-même. Ne soyez pas des marionnettes, des vieillards politiques. Est-ce que vous comprenez? Les mairies que ces vieillards ils occupent dans le pays, ils sont incapables même de développer les communes, les villes que le peuple leur a confiées. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque, vous jeunes de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui vous bloque d'aller conquérir ces mairies pour chasser ces villes là-bas pour transformer vos propres villes et vos communes? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'affronter les villes pour les chasser au sein de l'Assemblée nationale pour dire dégagez-vous tous, vous êtes incapables de voter des lois, vous êtes là-bas uniquement pour boire des vins, des bouteilles de vin, pour boire, je ne sais pas, la bière, Drogba ou bien ivoire, vous êtes incapables, vous êtes là-bas pour débattre de salaire, combien on doit vous payer chaque fin du mois, mais vous n'êtes pas là-bas pour aider le peuple. Donc, en tant que jeunes ivoiriens, en tant que nous, la jeunesse, qui subissons les délits de ces vieillards, il faut les affronter pour les chasser et changer la constitution ivoirienne. Voilà sur le terrain sur lequel on vous attend. Au lieu de perdre votre temps derrière des gens qui ne pourront rien changer, qui vont vous vendre des idées, qui vont passer leur temps à vous manipuler à longueur de journée, qui ne vont rien changer pour le pays, qui ne vont rien changer dans vos vies, mais qui vont d'ailleurs vous pousser à vous entretuer, à vous pousser à vous égorger, à vous pousser à avoir la haine les uns contre les autres. Voilà ce qu'ils sont. Il ne faut plus suivre les vieux. Les enfants de Bédier ne vivent-ils pas bien? Ils sont heureux. Vous les voyez, ils sont inquiétés. Ils vivent dans les milliards. Ils mangent bien. Les enfants de Ouattara ne vivent-ils pas heureux? Ils vivent heureux. Ils ne mangent pas des milliards. Ils bouffent. Les enfants de Gbagbo ne vivent-ils pas heureux? Ils vivent heureux. Ils travaillent. Ils bouffent des milliards. Et vous? Vous et moi, nous sommes où? Nous sommes traqués. Nous n'avons pas des milliards. On est obligé de traverser la mer. Pourquoi? À cause de ces vieillards politiques, on est obligé de mourir dans des camps de réfugiés au Ghana, au Togo, au Bénin, au Libéria, au Maroc. On est obligé de se prostituer. On est obligé de faire n'importe quoi. On est obligé d'arrêter les études. On est obligé de ne plus travailler, passer notre temps dans les rues. Pourquoi? À cause de ces vieillards. Mes frères, arrêtons ça. Mes frères, arrêtons ça. Mes soeurs, arrêtons ça. Pensons plutôt aux bonnes choses. Pensons au changement. Prenons notre propre responsabilité que de mettre notre responsabilité dans les mains des vieillards.
Tu es responsable ou pas? Tu vas passer tout ton temps à dire le vieux, il n'a qu'à tout gérer à ta place. Et toi, n'est-il pas un être humain? N'a-t-il pas un cerveau? Tu ne peux pas réfléchir. De la manière le vieux réfléchit, tu ne peux pas mieux faire que le vieux. Mais tu te crois où là? Tu penses que tu es sous-homme, tu es venu sur la terre là pour accompagner les autres. Tu penses que tu es venu sur la terre pour te comporter comme un poulet. Tu ne veux pas être aussi un lion sur la terre. Tu ne veux pas être un tigre sur la terre. Tu ne veux pas te faire remarquer partout où tu passes. Tu veux être un poulet coq. Suivre d'autres bêtement. Quitte la terre, ma soeur. Tu es une lionne. Tu es une tigresse, mon frère. Tu es un lion, tu es un tigre. Réveille-toi. Réveille-toi, rien n'est tard. Ces combats que vous menez dans les rues, Ouattara ou rien, Baba ou rien, Bédié ou rien, ça a changé quoi? Ça n'a rien apporté à l'Afrique. C'est ce que les Africains ont fait depuis longtemps. Je dis bien depuis que le panafricanisme est né. Les Africains ont toujours fonctionné dans cette idéologie. Rien n'a changé en Afrique. Nous sommes toujours la preuve en est que nous sommes derniers. Parce que l'Africain, il ne connaît pas c'est quoi une responsabilité, c'est quoi un combat et c'est quoi le suivisme. Vous suivez, vous faites le suivisme. Vous ne menez aucun combat. Et tant que l'Africain sera toujours dans ses délires, il ne comprendra jamais. Il ne changera rien. Vous pensez que ceux qui font la révolution industrielle, ils étaient derrière leur maître. Ils ne faisaient pas de recherches. Ils étaient toujours cachés derrière leur maître. Et étant derrière leur maître, en refusant de faire toute recherche, ils ont fait des découvertes industrielles. Non. Ceux qui ont fait la révolution industrielle, ils ont fait leur propre recherche. Ils n'étaient pas cachés derrière leur professeur pour dire, mon professeur est là, donc je refuse toute recherche. Non, ce n'est pas parce que le professeur, l'enseignant, que le professeur, il va faire la découverte industrielle. Tu peux m'enseigner et moi, faire des choses plus importantes que toi-même, mon maître. Parce que pourquoi? Je me suis mis au travail. J'ai fait des recherches. Je me suis jeté à fond parce que je savais, je voulais apporter quelque chose. Mais vous menez une lutte, vous vous dites que vous menez une bataille, vous ne faites aucune recherche, vous êtes borné, vous suivez des gens et le suivisme. Et vous pensez que dans le suivisme, vous allez changer le monde. Ce n'est pas comme ça. Les Anglais ont révolutionné l'industrie. La première truc, révolution industrielle a commencé en Angleterre. Pensiez-vous que les petits Anglais, ils étaient cachés derrière leurs professeurs pour dire, comme nos professeurs, ils nous ont enseigné à l'école, on ne veut plus faire des recherches, nous allons nous cacher derrière les professeurs? Non, ils ont appris chez les professeurs, ils ont laissé les professeurs, ils ont créé leur propre laboratoire, ils ont fait des recherches approfondies et ils ont révolutionné l'industriel. La seconde industrielle a été révolutionnée ici en Belgique. Ils n'étaient pas cachés derrière leur maître et leur professeur. Ils ont révolutionné l'industriel sur le plan de la radioactivité. Et c'est à partir de là que cette histoire de médicaments est née. Cette histoire, et d'autres ont pris ça pour faire maintenant le nucléaire. Radioactivité est née, a été découverte ici par Marie Curie. Cette dame et son mari, ils n'étaient pas cachés derrière leur professeur. Ils ont fait des recherches et ils ont découvert ça. Ils ont d'ailleurs même eu le prix Nobel des sciences. Et le noir, tu veux révolutionner quelque chose, tu te caches derrière quelqu'un, derrière le maître qui, soi-disant, il est ton guide spirituel. Tu ne pourras rien apporter tant que tu te mettras dans cette peau et sur cette voie. Raison pour laquelle l'Afrique part d'échec en échec. Pensez-vous que vous êtes les premiers à créer cette histoire du panafricanisme? Non, il y a eu les Thomas Sankara, il y a eu même l'ancien président Ghanéen, comment il s'appelle? Kwame Nkrumah, il y a eu les Patrick Lumumba, il y a eu plusieurs Sylvanis Olympio, il y a eu plusieurs. Ils ont fait échec, pourquoi? Ils ont fait échec, pourquoi? Parce que ceux qui les suivaient, ils ne voulaient pas grandir dans leur tête. Ils étaient toujours derrière, quoi? Ils étaient toujours derrière les maîtres, les leaders. Et une fois que le leader meurt, c'est fini. Le combat
C'est la débandade totale parce que ceux qui suivaient le leader, ils ne sont pas mûrs dans leur tête. Ils étaient incapables de mener une lutte de grande envergure. Et quand c'est une lutte de grande envergure, le colon ne pourra pas dire « c'est lui le leader, si on l'arrête, c'est fini, on va les affaiblir ». Mais quand vous suivez vos leaders et les colons vous maîtrisent parfaitement, ils savent que le fait d'arrêter le leader est égal à arrêter toute la bande. Parce que la bande est incapable de mener un combat sans son leader. Et voilà comment les blancs, ils arrivent toujours à vous maîtriser. Regardez le passé. Les blancs ont toujours fait quoi? Ils n'ont pas assassiné. Et ceux qui ont fait la révolution, ils n'ont pas pris le temps d'assassiner toute la bande qui était impliquée dans cette révolution. Non, ils visent seulement les leaders. Quand ils les tuent, bon, c'est fini. La bande se disperse, c'est fini. Parce que les Africains, ils ne sont pas mis dans la tête. Ils ne peuvent pas mener un combat sans leur leader. Et les blancs, ils font quoi? Ils prennent toujours le leader. Soit ils assassinent le leader, ou ils envoient le leader en prison. Et une fois le leader maîtrisé, c'est fini. Voilà le cas du FPI. Je prends l'exemple du FPI. Leur leader a été arrêté, c'est fini. La débandade, parce qu'ils ne sont pas mûrs, ils sont incapables. Et c'est comme ça les blancs ont fait. Thomas Sankara au Burkina. Quand ils ont tué Thomas Sankara, sa bande s'est dispersée. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ont tué Patrice Lumumba. Quand ils l'ont assassiné, la bande s'est dispersée. Elle n'a plus rien fait. Kwame Nkrumah, même chose. Sylvanie Solapio, même chose. Et je passe partout en Afrique. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que vous n'êtes pas grand. Vous pensez que faire une révolution, mener une bataille, c'est de se cacher derrière le leader. Mais non, s'il y a plusieurs leaders, s'il y a des jeunes qui sont déterminés, le blanc, il ne pourra plus arrêter la jeunesse africaine. Il ne peut pas dire, si je tue le leader, je vais tuer le troupeau, je vais tuer la bande. Parce que ça ne peut pas arrêter la bande. Mais non, le blanc, il vous connaît. Il vous a étudié. Il sait qu'arrêter le leader est égal à arrêter toute la bande. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Si vous voulez réussir, arrêtez de suivre vos leaders. Arrêtez de penser que sans vos leaders, le combat ne sera rien. Arrêtez de penser que si le leader est arrêté, tout doit s'arrêter. Parce que tant que ça sera comme ça, le blanc toujours va arrêter vos leaders. Tu ne l'arrêtes pas, il arrête ton leader et puis tout s'arrête. Parce qu'il vous maîtrise. Il vous connaît. Il vous connaît. Donc voici. J'aimerais aussi apporter une information. J'ai vu, je n'ai pas dit c'est avéré. Je dis j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout comme tout le monde, d'autres disent que la bande de Soro conteste la CEI. Et donc elle veut que la CEI soit réformée. Je dis j'ai vu. Je n'ai pas dit, j'affirme. J'ai vu sur les réseaux sociaux, d'autres disent que la bande de Soro conteste la CEI et elle veut que la CEI soit réformée avant 2020. Mais en même temps, elle demande à ses militants d'aller se faire enrôler. Voilà. Donc, pourquoi Sangaré demande à ses militants de boycotter? C'est ça, je dis, c'est un gros sorcier. Il est dans quoi? Sangaré est un quoi? Que Sangaré laisse la jeunesse ivoirienne aller se faire enrôler. Ce n'est pas Sangaré qui paye le PDCI de la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas Sangaré qui nourrit la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas Sangaré qui paye les loyers des gens. Ce n'est pas Sangaré qui enterre les corps des gens. Ce n'est pas Sangaré qui envoie les enfants des jeunes à l'école. Ce n'est pas Sangaré qui fait développer la Côte d'Ivoire. Sangaré n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'un voyou. Sangaré est un suiviste. Il suit uniquement Ouattara. Voilà ce que c'est que Sangaré. Il n'est pas d'accord pour la disposition de la CEI. Est-ce que c'est une raison pour boycotter un enrôlement? Il peut se faire enrôler. Il peut laisser la jeunesse se faire enrôler. Et par la suite, taper sur la table, mettre la pression pour dire qu'il faut changer la CEI. Le fait de boycotter, l'enrôlement c'est une semaine. S'ils font, les une semaine c'est fini, c'est clôturé. Si Ouattara veut encore frapper fort, après les une semaine de l'enrôlement, si c'est clôturé, ils changent la CEI et qui perd, c'est encore la jeunesse ivoirienne qui va perdre. Quand Ouattara va dire bon, je change maintenant la CEI. Quelle
sera la réponse de la jeunesse ivoirienne? Non, on veut se faire enrôler. Ouattara dit non, l'enrôlement est déjà fini. On appelle ça de l'idiotie. Ce que Sangaré fait là, c'est de... Il n'est pas grand. Tu demandes le boycott. Pendant ce temps, tu sais que tu n'es pas le seul qui conteste la CEI. Vous êtes nombreux. Donc Ouattara, à un moment donné, il sera obligé de changer la CEI. Mais la première des choses, c'est de laisser la jeunesse se faire enrôler. Maintenant, tu ne veux rien savoir. Boycotter. Bon, ils vont boycotter. Les autres, ils vont se faire enrôler. Écoutez, les autres vont se faire enrôler. Une fois enrôlés, ils vont mettre pression sur Ouattara. Ouattara change la CEI. Maintenant, cette jeunesse que Sangaré est en train de manipuler, elle sera écartée. Elle ne pourra plus parler. Elle ne pourra plus aussi prendre les décisions en 2020. Elle n'aura que ses gros yeux pour regarder. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, selon que vous ne voulez pas là, mais il prendra le pouvoir. Il prendra, parce que Soro, vers 2020 là, il va manipuler les gens du Nord. Il va aussi séduire d'autres probables. Et ils vont aller le voter. Vous allez encore faire des bêtises à cause de Sangaré pour mettre encore un dictateur pire. Je dis pire, un égorgeur des humains, vous allez le mettre au pouvoir. Voilà les bêtises dans lesquelles Sangaré il est. Et vous, quand on vous parle, ah, on ne peut pas suivre un pouvoir comme ça, on ne peut pas aller se faire enrôler. On sait que le pouvoir est déjà gagné. Le pouvoir est déjà gagné comment? Vous ne voyez pas que le PDCI veut devenir indépendant. Le PDCI ne veut plus s'associer au RDR. Soro ne veut plus s'associer au RDR. RDR est affaibli en 2020. Si tu as la masse populaire, si tu bats bien ta campagne, tu peux gagner. Maintenant, on vous demande d'aller boycotter. Est-ce que vous êtes des humains? Sangaré est un bandit. Sangaré n'est pas un politicien. Il fait ça pourquoi? Pour permettre à Ouattara de toujours demeurer au pouvoir. Mais moi, je demande à la jeunesse d'aller se faire enrôler parce que la CEI changera. Elle changera. Après l'enrôlement, là, on va se baser sur la CEI. C'est là-bas on va lancer maintenant nos missiles. Ah oui, c'est là-bas on va commencer à demander à Ouattara de changer la CEI. Et une fois que la CEI sera changée, on va maintenant battre campagne pour demander à la jeunesse de se mobiliser autour d'un jeune ivoirien qui n'a pas du sang sous les mains pour pouvoir briguer le monde, la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, afin d'amener la paix, réunir tous les partis politiques, réunir les filles et les fils du pays pour apporter l'harmonie, la joie et aider le peuple à avoir au moins un petit salaire de 15 000 francs pour ceux qui ne travaillent pas. Mais là, pour ceux qui travaillent, ils n'auront pas cette priorité. Aider tout le monde à avoir au moins une carte électronique pour pouvoir aller se faire soigner dans n'importe quel hôpital ou clinique en Côte d'Ivoire sans dépenser des sous. Aider la population à aller à l'école gratuitement en commençant par le primaire jusqu'en terminale. Voilà comment il faut faire. En créant des emplois, en créant des écoles techniques pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas connu. Ceux qui ne sont pas allés loin à l'école, qui sont dans les rues, il faut les orienter dans ces écoles techniques pour pouvoir leur permettre de faire des formations de métier, afin de pouvoir obtenir des attestations. Des attestations. Ça sera leur diplôme. Et ils vont travailler. Personne ne sera rejeté en Côte d'Ivoire. Donc allez-y, vous faites enrôler. Tous les vieillards seront chassés dans les mairies et l'Assemblée nationale. Les jeunes occuperont ces postes afin de pouvoir apporter encore une nouvelle vision, une nouvelle ère dans notre pays. On ne pourra plus laisser ces places aux vieux qui ont démontré leur incapacité. Ils nous ont démontré qu'ils ne pouvaient rien faire. Les vieux, ils nous ont apporté que la misère, la division, la mort. Ils nous ont apporté le chômage. Ils nous ont apporté l'inondation. Ils nous ont apporté l'exil. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que les vieux nous ont porté. Maintenant, nous, la jeunesse, on veut montrer à ces vieux-là de quoi nous sommes capables. Et que eux, ce qu'ils ne peuvent pas faire, nous, jeunes ivoiriens, on est capables de le faire. Allez-y, vous faites enrôler, chers parents. On compte sur vous. En tout cas,
Allez-y pour faire un relais parce que lui qui est dans la vie de Divo, lui qui est mis là-bas, il doit dégager. Il faudrait qu'un jeune digne de confiance puisse occuper la mairie de Côte d'Ivoire. Tu vois, la mairie de Divo. Parce que ce vieux de Divo, il n'a rien apporté. Il n'a rien foutu à Divo. Divo sent. Divo n'évolue pas parce que le maire de Divo ne travaille pas. Il faudrait qu'il dégage. Si tu es fâché comme moi, si tu penses aussi que ta région, ou bien la ville d'où tu viens, cette ville n'avance pas, cette ville pue, cette ville, les voies sont dégradées, mon frère, va te faire enrôler le maire de là-bas, tu vas le foutre au dehors parce que tu dois mettre un jeune capable d'apporter quelque chose dans ta ville, dans ta commune. Voilà ce que je vous demande. Allez-y vous faire enrôler. Allez-y, vous faites enrôler. Ne regardez pas Sangaré. Sangaré est dans un délit parce que Sangaré vous trompe. Si vous suivez Sangaré, vous apportez encore. Hein? Vous apportez la priorité aux membres du RDR pour pouvoir briguer encore. Oh, nous ne voulons plus des rebelles au sommet de nos états, de notre état. Nous ne voulons pas des gens qui ont tué, que ce soit du FPI, que ce soit du RDR, que ce soit du PDCI, que ce soit de trucs, je ne sais pas, MPCI et quoi là. On ne veut plus des tueurs au sommet de l'état ivoirien. Nous voulons des gens qui n'ont pas tué les Ivoiriens, qui ont un amour profond pour tous les Ivoiriens. Ce sont ces personnes que nous voulons. On ne veut pas des gens qui ont la haine, qui ont déjà une partie prise. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous mettez quelqu'un, il a déjà fait son choix avant. Et s'il vient encore, il va encore continuer la politique démagogique, la politique d'ethnie, la politique religieuse, la politique de région. On ne veut plus ces gens-là. Nous voulons changer les choses en Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, si tu es fâché, va te faire enrôler. Ne suis pas Sangaré parce que Sangaré va encore te faire avaler la pilule la plus amère. Si tu vas pas te faire enrôler, ceux que tu ne veux pas voir, ils seront toujours là. Ils seront toujours là et tu vas subir. Quand tu ne veux pas mener une action, tu subis. Je ne veux plus que tu subisses. Je ne veux plus que tu souffres. Voilà mon message. Si tu veux quitter aussi dans la souffrance, l'eau a augmenté, carburant pollue l'air. Ces jours-là, on voit les AVC qui tuent les Ivoiriens. Tout ça, c'est le carburant. Si tu ne veux pas te faire enrôler, mais ceux qui s'en vont commander ces carburants en Côte d'Ivoire, pour partager AVC aux Ivoiriens, mais ils vont toujours continuer à partager AVC à la population. Peut-être toi, tu n'as pas encore subi, mais quand ça va frapper l'un de tes proches, tu vas ouvrir tes yeux, ça va te faire mal, mais tu ne pourras rien changer parce que tu as refusé de te faire enrôler. Va te faire enrôler. Va te faire enrôler. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez-y, vous faites enrôler mes frères et sœurs. Angoua Gradel, mon frère, si tu ne veux pas te faire enrôler, laisse tes amis, ils vont te faire enrôler. Voilà des gens qui ne comprennent rien. Tu penses que toi, ton souhait, tu penses que toi, à cause de ton histoire de Baba ou rien, ton histoire de Ouattara ou rien, ou Bédia ou rien, les gens, ils vont refuser de se faire enrôler. Toi, si tu ne veux rien apporter à ta région, il y a d'autres qui sont prêts à apporter le changement dans leur région. Si tu ne veux pas changer ceux qui sont au sommet de l'État ivoirien, qui font subir les atrocités à ce peuple ivoirien, d'autres, ils sont prêts à changer, à voir le changement. Mon frère, si tu manges dans l'obscurité avec ceux qui font subir tout ce que les Ivoiriens subissent aujourd'hui, faut refuser. Mais d'autres, ils veulent voir le changement. Donc, ils n'ont rien à foutre avec ton avis. Ils vont aller se faire enrôler afin d'apporter le changement. Donc, Gradel, si tu veux, là, va même... Faut t'éloigner des trucs, des lieux où on fait l'enrôlement. D'autres, ils sont déterminés à se faire enrôler parce qu'ils ont compris. Ils savent que c'est très important parce que tout peut changer. Mamadou Gassama, est-ce que si on lui disait, ah mon frère, là où tu dors là,
Aujourd'hui, on l'a appelé aux États-Unis. Il va aller à Washington. Si on lui disait ça, est-ce qu'il allait croire? Mais tout a changé. Faut jamais dire jamais, jamais dans la vie. Il ne faut jamais dire jamais, jamais. Tout peut changer. Et ça change toujours un jour. C'est pas parce que tu attends le changement aujourd'hui tout de suite que ça... Non. C'est pas parce que tu veux que la chose change maintenant que ça... Non. Il y a encore des années. 2019 n'est pas encore terminé. Et la vraie pression vient en 2019. Je dis bien, la vraie pression là, c'est en 2019 Ouattara va subir les vraies pressions. Et donc, en 2018 là, tout le monde ne met pas encore la pression. Donc, Ouattara, il ne voit pas encore le feu derrière ses fesses. Mais en 2019, quand il va voir que ça chauffe trop, il va changer la CEI. Or, pourtant, toi, tu as déjà boycotté. C'est qui allait te permettre d'aller voter, donner ta voix, si tu ne veux plus voir Ouattara en 2020? Mais tu as déjà rejeté ça. Et tu vas encore venir, on ne veut pas Ouattara. On veut faire, mon frère, histoire de changement des présidents en Afrique, quand on faisait la manifestation pour les chasser, non. Si c'est histoire de... Il aurait encore mort d'homme, parce qu'il y a des gens qui sont dans des... Ils aiment trop Ouattara. Si tu sors pour aller manifester, il y aura encore d'autres qui vont s'opposer à vous. Hein? Ça va devenir un affrontement. Il y aura encore des morts d'hommes. Donc, pour éviter ces morts d'hommes, il faut dans les urnes. Là, quand tu pars voter, là, tu auras des arguments pour dire c'est moi qui ai gagné. Et ce prétexte peut te permettre à sortir dans les rues pour dire Ouattara, tu n'as pas gagné, pars. Mais tu ne votes pas. Et tu vas dire, je ne veux pas de toi, mon frère. Ils vont dire, tu te bats sur quoi pour dire tu ne veux pas de lui? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as voté? Non. Alors, ils vont te mater. Tu seras comme un rebelle. Tu seras comme un milicien ou un rebelle et tu seras maté. Or, quand tu participes, mais c'est légitime tes contestations. Tu peux contester parce que c'est légitime. C'est légitime. Tu as participé et tu dis tu as gagné. Et donc là, tu es bien positionné pour sortir, pour marcher, pour contester. Mais si tu ne participes pas, tu as te basé sur quoi pour dire j'ai gagné? Si Ouattara ne participait pas en 2010, sur quoi il allait se baser pour dire c'est lui qui a gagné les élections et que Gbagbo n'a qu'à partir? Il allait se baser sur quoi? C'est parce qu'il a participé qu'il a protesté, qu'il a contesté. Et donc, voilà. Et tout ça, vous devez calculer. Mais sans garder ces délits-là, ce vieux, je vais vous montrer encore une photo. Parce que j'aimerais vous, que vous compreniez c'est quoi, c'est qui ce monsieur appelé Sangaré. C'est qui? Je vais vous montrer sa photo encore. Où il était assis côte à côte avec Ouattara. Je vais vous montrer. C'est pas Marie-Odette Lorugnon qui salue Ouattara ici là. N'est-ce pas elle? Cette dame-là, c'est qui? Est-ce que vous la connaissez? C'est pas votre mari Odette Lorugnon, celle qui vous demande d'aller boycotter, n'est-ce pas elle qui est là? Qui est là? C'est qui? N'est-ce pas Alassane Dramane Ouattara? Il était président de la Côte d'Ivoire. Et là, elle était au palais présidentiel. Est-ce que vous comprenez? Marie Odette Lorugnon est allée au palais présidentiel de... La Côte d'Ivoire pouvait quoi? Voir Alassane Ouattara. Donc, pour vous dire, vous qui êtes dans l'ignorance et vous pensez que il ne se voit pas la nuit, il ne se côtoie pas, vous vous trompez. Là, elle allait spécialement au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire pour aller voir Ouattara. Mais, quand ils sortent de là-bas, ils viennent vous manipuler. Allez-y, boycottez. Non, ce sont des deals qui signent pour le bien-être de Ouattara. Donc, vous comprenez. Et celle-là, elle est proche de qui? Mais elle est proche de Sangaré. Elle a fait coalition, mais elle a fait coalition avec Sangaré. Et ce sont eux qui vous demandent d'aller boycotter. Ouvrez les yeux. Ils sont dans un petit jeu, ils gagnent leur jeton. Il y a changement, il n'y a pas de changement. Eux, ils n'ont rien à foutre. Parce qu'ils gagnent leur million chaque fin du mois. Et ils mangent, ils dorment. S'ils veulent rouler dans des grosses caisses, ils roulent. Leurs enfants ne subissent pas ce que vous subissez. Donc, pauvreté ou pas pauvreté, carburant est cher, eux, ils n'ont rien à foutre. Ils ne voient pas. Si c'est cher, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à dire un litre de carburant, ça coûte 2000. Eux, ils ont les moyens pour payer. Mais c'est toi qui n'auras pas les moyens. Et donc, ils vont te dire, non, ne pars pas. Eux, ils ont les moyens, ils ne subissent pas. Leurs enfants ne subissent pas. Ils sont hors du pays.
il y a policier au pays, eux ils s'en foutent, ils ont les moyens. S'ils sont malades, ils peuvent aller se faire soigner ailleurs. Même si c'est pour commander des médecins pour venir les soigner au pays là-bas, là, il y aura des médecins qui vont quitter à l'étranger pour venir les soigner. Mais toi, si tu es malade là, hein, si tu es malade, tu vas aller où? Tu n'as pas l'argent, tu pars à l'hôpital, il n'y a pas tous les appareils pour te soigner. Et voilà ce qu'ils font. Donc on vous demande d'être sage. Allez-y, vous faire enrôler. Enrôler, c'est pour le changement en 2020. Ou bien ceux qui ne veulent pas voter aux élections présidentielles, ils peuvent voter dans les mairies pour changer les maires qui ne valent rien. En Côte d'Ivoire, tu es dans ta commune. Tu es là, c'est là-bas, on vient verser tous les déchets. Ça pue. Et les gens, les moustiques viennent vous bouffer. Mais si tu ne t'enrôles pas, comment est-ce que le maire va le changer? Parce que si tu as refusé de t'enrôler, peut-être ceux qui aiment trop le maire et le maire qui gère ta commune, ils vont voter ce maire. Or, si tu t'enrôlais et qu'il y a plusieurs personnes qui s'enrôlaient, ils pouvaient changer les données pour chasser ce maire dans les urnes et mettre un autre maire qui sera capable de changer les conditions de la commune. Mais si tu refuses, mais il y aura toujours les déchets, les moustiques vont vous bouffer. Il y aura le paludisme, il y aura tout. Hein? Voilà. S'il y a des bandits dans la commune et que le maire ne fait pas son travail, mais les microbes vont toujours foutre la merde dans votre commune, vous agresser. Et donc, ça dépend. Toi, tu te fais enrôler, soit tu subis. Hein? Allez-y, vous faites enrôler, c'est très important. Donc, je vous montre encore, Marie-Odette Lourougnon, elle allait voir Ouattara au palais présidentiel. Donc, arrêtez de croire à ces gens-là qui vous manipulent, voilà. Voilà, vous voyez, je n'ai rien inventé, hein. Ça, c'est Alassane Ouattara, c'est Odette Lourougnon qui est là, voilà, c'est elle. Voilà, donc, vous voyez bien son visage, voilà, elle allait voir le président Ouattara au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire pour le remercier parce qu'il est élu nouveau président de la Côte d'Ivoire. Je vais encore vous montrer une autre photo. C'est elle qui était ici encore lors de son investiture à Yamoussoukro. C'est la même Marie-Odette Lourougnon qui est là. Elle était là-bas à Yamoussoukro là. Voilà, elle était là-bas, c'est elle qui est là. Et tout ça, voilà encore ce Ouattara qui est là. C'est elle qui est là. Elle était à Yamoussoukro. Et quand ils ont fini là-bas et tout ça, Ouattara est parti au palais. Elle est encore allée au palais. Elle allait remercier encore Ouattara au palais là-bas. Et ce sont ces gens-là. Non, on fait blanc, on lutte. Mais vous ne comprenez pas. Moi, j'ai compris. C'est pour ça que je dis, ne vous laissez pas manipuler. Parce que quand on vous parle, vous refusez. C'est un jour, vous comprenez. Ah, si je savais. Si je savais, mais le noir, il est toujours comme ça. Quand on lui dit, ah, mon frère, fais attention, ça là, il dit, ah, oh, quitte là, menteur. Mais c'est après, c'est plus tard, il comprend que, ah, il m'avait dit ça, mais j'ai ignoré, trop tard. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ces gens-là qui vous mentent. La nuit, ils s'en vont voir Ouattara. C'est la même chose comme Afi. Hein? Tout cela, ils voient Ouattara. Afi, Sangaré, truc, Lourougnon, tout ça, c'est la même chose. Peut-être Sangaré même, il se cache, il envoie Lourougnon. Qui sait? Pour se donner une bonne. Parce que s'il pense que quiconque salue Ouattara, quiconque rencontre Ouattara, lui, Sangaré, il ne traite pas ce dernier. Mais quand Marie-Odette Lourougnon part tous les jours saluer Ouattara, voir Ouattara dans les coulisses, pourquoi Sangaré ne dénonce pas Marie-Odette Lourougnon? Pourquoi Sangaré ne dit pas à Marie-Odette Lourougnon que tu as trompé le combat de Gbagbo? Mais il traite à Marie-Odette. Peut-être c'est lui, il l'utilise, c'est elle qui l'utilise pour aller entre Ouattara et lui pour parler de tout. Donc elle est maintenant l'envoyé spécial de Sangaré. Et maintenant lui, il est là, il dit je suis le gardien du temple. Parce qu'il ne veut pas que les gens le voient avec Ouattara. Donc il passe par Marie-Odette Lourougnon pour aller voir Ouattara. Et donc, comme Afi lui-même, il parle en personne pour traiter Ouattara. Il dit, oh, Afi était traite. Mais il ne parle pas de Lourougnon, que lui-même, il envoie tous les jours pour aller voir Ouattara. Voilà des gens qui vous manipulent.
Et vous êtes là, barbarien, sans garder les gardiens du temple. Quand je vois ça, je dis, monsieur, là, ils ne comprennent rien. Ils comprennent. La jeunesse doit prendre le relais. La jeunesse, il est temps de prendre le relais que de vous laisser manipuler par ces vieillards-là. Ils vont vous manipuler jusqu'à le jour. Peut-être vous allez devenir des vieux et des vieilles dans cette manipulation. Ils vont mourir pour vous laisser, en vous laissant la manipulation. Prenez conscience. Tu veux vieillir dans les manipulations de ces gens-là. Ne prends pas conscience. Hein. Donc, je pense que je vous ai déjà parlé trop et j'ai montré les preuves qui existent, les liens qui existent entre Sangaré et le pouvoir Ouattara. Afi, pour Afi, tout le monde connaît déjà ça. Tout le monde sait que Afi traite un Ouattara. Mais pour les Gola, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Ils ne savent pas que Odette Lorugnon est l'envoyé spécial de Sangaré pour pouvoir aller dialoguer un Ouattara et trouver des consensus. Et maintenant, lui, il ne veut pas gâter son image. Donc, il est là, il fait comme si il incarnait l'opposition ivoirienne. Il dit, je suis le gardien du temple, je ne veux pas de Ouattara. Mais il envoie la femme qui s'appelle Odette Lorugnon pour aller traiter avec Ouattara. Voilà dans le jeu où ils sont. Et vous, vous êtes des marionnettes, vous ne comprenez rien. Vous suivez bêtement. Quand je vous demande de prendre vos responsabilités, soyez responsables. C'est tout. Il n'y a pas de sorcellerie. Soyez responsable, soyez vous-même. Ah, vous parlez de troisième mandat. Pour ne pas donner l'occasion à Ouattara de devenir encore président, raison, je dis, je ne veux plus voir les vieux présidents en Côte d'Ivoire. Allez-y, vous faites enrôler. Comme ça, si Ouattara, il peut s'accueillir, mais il sera humilié par la jeunesse ivoirienne parce que cette fois-ci, cette jeunesse ne laissera plus Ouattara commander le pays. Un vieux ne commandera plus le pays. Il sera humilié, il va prendre ses bagages pour aller à Marathon où il est quitté. Mais si vous refusez de vous faire enrôler parce que Sangaré, il vous le demande, mais Ouattara, il sera toujours là. Il sera toujours là et le peuple ivoirien sera un truc maté. On aura nos gros yeux pour pleurer. Oh, Ouattara, dictateur, Ouattara. Mais tu as suivi Sangaré, mon frère. Tu as suivi Sangaré. Donc, il sera toujours dictateur. À toi de changer. Va te faire enrôler. Je ne suis pas dans... Donc, j'aimerais vous laisser maintenant. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Je pense que beaucoup ont compris. D'autres seront furieux et furieuses parce que j'ai critiqué leur leader. J'ai fait sortir certaines preuves. Donc, ils seront furieux. Ils vont dire, tu es un menteur. Tu n'es pas dans un combat. OK. Soit vous voulez la vérité ou soit vous voulez les mensonges. Si vous voulez les mensonges, laissez-vous manipuler. Mais si vous voulez la vérité, mais ouvrez les yeux et... Hein, devenez d'abord indépendant moralement. Ne soyez pas dépendant. Devenez indépendant moralement parce que c'est ça là qui compte. Si ça là, tu n'es pas indépendant là, tu as gâché ta vie. C'est ça là qui prend les décisions. Tu ne peux pas, tu ne peux pas aller voir quelqu'un, tu ne peux pas suivre quelqu'un parce que l'autre il passe sur ce chemin. Toi aussi, tu es là-bas sans réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous remercie infiniment. Ciao, ciao, partagez la vidéo ou bien envoyez ça à vos amis dans les inbox et tout ça. Demain sera un autre jour. On fera peut-être demain d'autres vidéos. Donc, je vous aime. Ciao, ciao. Elsa Désiré Soum. Regarde. C'est toi qui n'as rien compris, mais beaucoup ont compris. Quand tu dis ça n'avance rien. Vous savez
Tu dis, j'ai insulté. Non. Moi, j'insulte pour vous faire comprendre. Mais eux, là, ils tuent. Eux, là, ils appauvrissent les gens. Eux, ils cassent les maisons. Pour qui est grave? Je ne fais que parler. Je ne casse pas la maison des gens. Je ne vole pas l'argent de la Côte d'Ivoire. Je ne mets pas les gens en prison. Je n'assassine pas le peuple. Je n'envoie pas les gens en exil. Je ne manque pas de respect à la population ivoirienne. Donc, quand eux, ils ne respectent pas, on ne peut pas aussi les respecter. Quand ton grand frère, il te manque de respect, tu ne dois pas lui aussi accorder le respect. Tu dois lui manquer de respect aussi. Donc, avec ces gens-là, il n'y a pas de respect. Mais avec le peuple ivoirien, oui, je respecte le peuple. Je vous respecte parce que ce n'est pas vous qui pillez le pays. Ce n'est pas vous qui tuez les Ivoiriens. Ce sont eux, les vieillards, là, qui nous tuent. Et donc, nous sommes tous des victimes. Mais on est des victimes sans le savoir. Donc, en parlant comme ça, je vous fais comprendre que toi-même, toi qui supportes là, tu es une victime. Donc, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. C'est très important. Donc, bon, je vais couper. Passez une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous. C'était l'incontournable guerre qui a compris tout terrain. Voilà, on est ensemble. Big up à tous et à toutes. Ciao.